Et go, ça tourne, Natasha, tu peux commencer. Oh, putain, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. Salut, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 66, quotidienne. Putain, quotidienne, on est quelle quotidienne? Quotidienne. Quotidienne 8, et je vous laisse aller avec la quotidienne parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Allez, salut, bisous. Ce matin, les habitants jouent avec de la nourriture. Tiens, non, ah, ah, non, non, arrête! Arrête! Ah tiens, non! Ah! Non, secours, je me fais attaquer! Non, je me fais attaquer par de la glande. Non, non, ça fait pas. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta salade, toi? Je vais te la mettre dans la cage. Eh, c'est drôle, je peux jouer avec vous? Ouais, vas-y, à la compote de Nantes sur la table. Ouais. Oh! Alors là, vous l'aurez voulu. Non, mais arrêtez, ça se fait pas de jouer avec de la nourriture. Oh, mais c'est pas grave, allez, viens, Will, viens t'amuser avec nous, c'est de la nourriture périmée. Ouh! Ambre, tu touches pas à ma compote, tu touches pas à ma compote. Regarde ce qu'elle en fait, ta compote. Oh, mais comment t'as pu oser me gâcher ma compote? Oh, ça va, fais pas le bébé, ta pomme-pote, t'en auras plein dans ta vie. Eh, non, non, j'ai pas dit mon dernier mot, toi, j'ai pas dit mon dernier mot. Hop, pompote, pompote, pompote. Non, 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 tu touches pas à ma pompote. Ah, mais il est fou, il est fou, il est fou. Mais sérieux, arrêtez, ça se fait pas, on joue pas avec la nourriture. Oh, mais ça va, c'est de la nourriture périmée depuis demain. Quelqu'un en mangera? Non, ben voilà, alors on va dire qu'elle est périmée. Oh, ça va. Allez, je sais que t'es, je sais que le victoire de le victoire, le départ de victoire t'affecte comme nous tous, mais il faut essayer de passer devant et de s'amuser. Nous on est toujours là pour toi, Will. On est toujours là, même s'il n'y a plus victoire. Mais de toute façon, victoire, ben elle a quand même fait une belle aventure. Au pire, on la revoit dans 2 semaines. Attends, une, deux, ah non, dans 3 semaines. Ah ben non, dans 2 semaines, vu qu'après elle vient pour la finale. On la revoit. Bref, on la revoit dans pas très longtemps. Donc, au pire, c'est pas très grave. Et puis, nous, on est toujours là. Allez, viens t'amuser avec la pompote de Nance. Ouais, non, Sacha, c'était très. C'est pervers ce que tu viens de dire. Oh, mais vous aussi, là, toujours à trouver un sens pervers de partout. Ouais, j'avoue. Oh, elle a osé m'attaquer avec sa compote. Je vais l'attaquer. Bah, Will, aujourd'hui, il était super barbant. Parce qu'il est déprimé à cause du départ de Victoire, je comprends. Mais le truc, c'est que quand Will est déprimé, bah, il nous casse le moral, quoi. Voilà. Sacha, Sacha. Ah, oh, viens là, viens là. Non, 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 non. Ah! Je vais te. Non, non. Mission. Mission? Mais à qui? À qui de quoi? Il reste plus que mon secret, le tien. Celui de Will et de comment il s'appelle Lilou. On va donner une mission secrète. Oh c'est trop cool ça. Ah merde, putain, fait chier. La voix, ici la voix. Sacha, Indira, qu'est-ce que vous avez à dire à la voix? On aimerait donner une mission secrète à Will. Bien. Pour 10 000 euros, c'est de faire croire que en fait, eh ben, son secret, c'est qu'on est ben, frères tous les deux. D'accord. Ben voilà. Bien. La voix va appeler Will. Ok. Non, 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 mais non, arrêtez. Non, mais. Ah, mais punaise, mais arrêtez. Mais vous me victimisez, là, c'est pas gentil. Oui, non, mais. Ah, 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 non, aïe. Ici la voix. Oui, le confessionnal. Ici la voix, Will. Pour 10 000 euros, la voix t'offre une mission secrète exceptionnelle. Pour 10 000 euros, es-tu prêt à faire croire aux habitants que tu es le frère de Sacha? Oui, d'accord. Ici la voix à tous les habitants au salon. Ici la voix à tous les habitants. Comme vous le savez, il ne reste plus que 4 secrets en jeu. Celui de Lilou, celui de Indira, celui de Sacha, et celui de Will.
Comme vous le savez certainement, Ambre, Nanzo, deux cagnottes sont à 0 €. Les cagnottes qui sont élevées, je vais pas les dire. Alexandre, tu as une cagnotte de 0 € et Dany en fait de 0 €. Donc personne d'entre vous ne peut buzzer. Voilà. Mais la voix va remédier à ça. La voix vous offre à chacun 5 000 €, mais également un buzz gratuit sur un habitant. C'est tout pour le moment. Ah, ben non, c'est pas tout pour le moment en fait. Étant donné que la voix, cette semaine, vous allez devoir, ceux qui ont leur secret encore en jeu, protéger vos secrets. Ah, ouais, super. Cool. Ouais. Et le premier indice qui va tomber est sur Sacha. Sacha, tu peux aller chercher ton indice. Oh putain, c'est deux mon indice, c'est une blague. Mon indice, c'est deux. D'accord. Et là, ça tombe sur deux. Donc moi, je vais devoir faire croire aux gens que le 2 correspond à ce que Sacha et moi, nous sommes frères. Mais en fait, moi, je sais très bien que ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait, il a un secret en duo avec Indira ou Lilou. Et perso, je pense que ça a plus un rapport avec Indira. Et vu qu'en plus, nous, vu qu'on a encore nos secrets dans l'aventure, on ne peut pas buzzer les autres. Voilà quoi, c'est assez déprimant. Putain, mais qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, moi j'ai envie de péter ton secret, Will. Et voilà. Ouais, sauf que là, en fait, l'indice, il est sur moi, pas sur Will, tu vois. Bah ouais, mais pourquoi tu dis ça tout à coup? J'ai juste dit ça à Will. Ben ouais, je sais, je sais, je sais ça, je le sais, c'est juste comme ça, tu vois, c'est parce qu'il y a un indice sur moi et toi tu dis tout à coup ça à Will et tout. Mais ouais, mais pourquoi tu parles de Will? Je sais pas, vous avez un lien tous les deux? Ben non, ben je sais pas, ton indice c'est 2, t'as forcément un lien avec quelqu'un. Ben non, parce que 2 ça peut être plein de trucs, plein d'autres trucs. Ah ouais, comme quoi? Ben je vais pas dire, mais genre il y a 2 chirurgies, 2 trucs, enfin tu vois, enfin. Faut chercher plus loin, tu vois. C'est pas forcément. Deux, c'est un indice banal, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour ça, Will, t'étais gêné? Vois pas de quoi tu parles. La mission, mais. Je la fais avec brio. Voilà, quoi. Attends, mais il y a un truc qui m'échappe. Sacha, il a obligatoirement la même mission que moi, parce que sinon, c'est pas. Pas crédible. Il doit avoir la même mission que moi parce que comment il a fait pour se cramer pour autant tout à l'heure? Soit il a un lien avec Indira. Attends. Mais il avait vachement l'air de se cramer fait exprès. Alors soit il a eu également cette mission, soit il connaissait le contenu de la mission secrète. Mais alors pourquoi deux? Peut-être que c'est le maître d'émission avec quelqu'un dans la maison? Non. Non, franchement, non, c'est pas possible. Non, je pense pas. Non, non, parce qu'en plus, chaque fois, il était grave choqué. Non. Remarque, quand on y pense à chaque fois qu'il y avait une mission, il était toujours en mode, ça se trouve, c'est une mission, ça se trouve, c'est une mission. Mais ouais, mais. Je comprends pas. Mais alors ça veut dire que. Mais non, ça peut pas être le maître des missions. Pas. Non, je pense pas. Non, franchement, je pense pas. Vu que c'est deux, je pense que ça a vraiment un rapport genre avec un frère jumeau ou avec Indira. Ils sont faux frères et sœurs. Si on avait essayé à un moment donné de trouver leur secret.
Genre en mode, ça se trouve, vous êtes tous les deux frères. Et il avait essayé de se défendre. Peut-être qu'en fait, c'est ça, tout simplement. Il a certainement eu la même mission que nous. Je vais l'appeler. Et là, je vois Will et Sacha aller tous les deux dans la salle de bain. Je commence vraiment à croire qu'ils ont un lien tous les deux, genre ils sont frères ou quoi. Ouais. Pourquoi tu voulais me voir? Ben, tu le sais très bien. Bah non, tu vois, je le sais pas. Ben, franchement, je trouve que tu la joues super bien la mission. C'est pas genre, j'ai eu la même mission que toi, tu sais. Moi je gagne 10 000 euros si on fait croire qu'on est frère. Donc normalement toi aussi tu dois gagner 10 000 euros. Ah non, moi j'ai pas cette mission. Quoi? Ouais non, moi j'ai pas cette mission en fait. C'est pas une mission moi. Je... En fait, d'accord. T'as une mission sur ça? Ouais. Et tu comptes faire comment pour réussir? Parce qu'en fait, là, pour l'instant, les habitants, ils ont des doutes, mais en fait, à cause de moi, quoi. Mais en fait, du coup, pourquoi tu... Hey, Coco, c'est sur mon secret qu'on cherche, pas sur le tien. Donc, je vais te donner aucun indice. Par contre, du coup, en fait, tu viens de me révéler le contenu de ta mission secrète. Donc, tu viens encore une fois de perdre ta mission. Merde, mais putain, mais je suis con. Ouais. Ça va aller. Ici la voix, Will. Quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense... J'utilise mon buzz gratuit pour buzzer que Will et Sacha sont frères. Et puis voilà. Bien. Ici la voix. À tous les habitants. Nance a utilisé son buzz gratuit pour buzzer le secret de Will et de Sacha. Il a buzzé que Will et Sacha étaient frères. Or, Will a triché. Il a eu une mission secrète, celle de faire croire à tous les habitants que Sacha est son frère. Or, Sacha n'avait pas la même mission que lui. En révélant le contenu de sa mission secrète à Sacha, il perd encore une fois sa mission secrète. Nance, ton buzz gratuit est donc invalidé. Mais, puisque c'était un buzz suite à une mission et qu'il n'y a donc pas de révélation suite à une triche de Will... Tu as donc la voix t'offre donc un autre buzz gratuit. C'est tout pour le moment. Putain. Non mais en fait toi tu loupes toutes tes missions. C'est pas possible. Non mais ouais, je loupe toutes mes missions. Tu vois moi le secret de Sacha. Je pense grave que son secret ça pourrait être mon frère jumeau et moi. On a été séparés à la naissance, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Ouais. Pourquoi tu penses ça? Ben son indice c'est 2 et puis ben voilà. Au début de l'aventure, on avait eu un indice sur Indira, c'était un S. Je pense que son secret c'est un rapport avec les serpents. Ouais. Ici la voix, à tous les habitants. Un nouvel indice va être révélé. Venez tous au salon. Ici la voix, le nouvel indice révélé est sur Lilou. Lilou, rends-toi dans la pièce. Ok. Ça sent pas bon pour moi. Et mon indice, c'est quoi? Ange démoniaque. Super. Alors, mon indice, c'est ange démoniaque. Voilà. Putain, mais là, pour moi, les indices, ils prennent tout.
tout leur sens, ça me stresse, quoi. Du coup, le secret de Lilou, pour moi, tu vois, c'est genre qu'elle est issue d'une famille maudite, tu vois. Ah ouais, bah ouais, parce qu'il y a, on a eu Ange démoniaque. Donc voilà, donc pour moi elle est maudite, tu vois. Son image du générique, c'est elle avec des papillons. Les papillons, voilà, c'est signe de la pureté, mais il manque un peu, tu vois. Après, on avait eu aussi l'indice insatiable. Donc c'est une fille très belle de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est un peu genre, tu vois. Un peu genre. Tu les gens, quoi, mais. Voilà. Ouais, après, on n'avait pas eu aussi un indice genre. Je sais plus ce que c'était l'indice, c'était pas genre. Si, méfiez-vous des apparences, apparences trompeuses, un truc comme ça. Ouais. Après, tu vois, genre, Sacha, il est deux, donc je pense qu'il a un truc avec un habitant. Donc, soit pour moi, c'est pas possible qu'il est avec Indira. Parce qu'Indira, son indice, c'était un serpent, tu vois, c'était une vipère. Donc, je pense pas, tu vois. Peut-être que Indira l'a sauvé d'une attaque de serpent et tout en Amazonie, un truc comme ça. Ouais. Attends. L'indice, c'était pas une vipère, c'était un S. Oui, mais en gros, c'était une vipère. Non. C'était un S. Ils ont voulu nous faire croire que c'était une vipère. Ça se trouve, c'est un S. C'était le S de Sacha. Et Sacha, il y a eu l'indice 2 sur lui. Mais moi je pensais que genre s'il avait un lien avec quelqu'un à la maison, ce serait genre tu vois avec Lilou, tu vois. Lilou, elle est. Mais pourquoi Lilou? Lilou, elle est. Non, mais bah, peut-être qu'ils sont tous les deux issus d'une famille maudite et que c'est leur secret. Nous sommes frères et sœurs issus d'une famille maudite. Je pense que Lilou a un secret individuel perso, tu vois. Après peut-être qu'il a quand même un lien avec Will, tu vois. Parce que peut-être qu'ils sont en couple, tu vois. Genre, tout simplement. Parce que Will, il y avait eu plein d'indices par rapport à lui, genre l'indice feu et tout, mais il y avait eu l'indice attaque aussi. Ouais, mais je pense qu'il y a des indices. Faut pas chercher plus loin. Le feu, pour moi, c'est le feu de l'amour, tu vois. C'est obligé. Peut-être qu'ils sont en couple tous les deux. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être le secret d'Indira? Bah, tout simplement, j'ai survécu à une attaque de serpent. Ouais. Ici la voix, tous les habitants. Un indice sur Will va être révélé. Mon indice, c'est éteindre. Éteindre. Ici la voix, un indice sur le secret de Indira va être révélé maintenant. Alors mon indice c'est une image, ben c'est ça en fait, c'est le roi aux échecs, tu vois. Alors du coup survécu à une piqûre de serpent, famille maudite, séparée avec un frère à la naissance ou bien en couple. Et lui, ce serait. Ben, en fait, je vois que ça. Ouais. Je veux buzzer le secret d'Ilou. Ici la voix. Ambre. Quel secret penses-tu avoir découvert? Alors, juste mon buzz gratuit pour dire que Lilou est issu d'une famille maudite. Bien. Ici la voix, à tous les habitants. Ambre pense avoir et découvert le secret de Lilou. A-t-elle raison, a-t-elle tort? C'est l'heure de la révélation. Je pense que tu es issu d'une famille maudite. Bah non, je suis désolée. C'est pas mon secret. Merde. Là, tu as usé ton buzz gratuit, Ambre. Bon. Bah du coup, on va dire qu'elle est née en. Elle a survécu à une piqûre de serpent. Ouais. Sinon, ça veut dire qu'elle a forcément un lien avec Sacha. Ouais.
Ici la voix, Nance. Quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Indira a survécu à une piqûre de serpent mortel et juste mon buzz gratuit pour ça. Bien, la voix te rappellera plus tard. Enfin, demain. Et voilà, la quotidienne est terminée. Je vous dis je vous dis à demain pour la prochaine partie de quotidienne. Et n'oubliez pas de voter en description. C'est le 1 pour Alexandre et le 2 pour Will. Voilà, bisous.